Salut à tous et à toutes, c'est CNFOL71. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, même peut-être beaucoup pour certains. On va découvrir ensemble, enfin je vais découvrir plutôt une console auquel je n'ai absolument jamais joué. Il s'agit évidemment de la Super Nintendo qui se trouve juste ici. Elle est juste là, tu la vois pas, tu vois que le bout de carton. Mais je vais te montrer, il n'y a pas très longtemps que je l'ai eu. Alors attendez, je l'ai acheté combien? 149 €, donc autour de 150 €. Voilà, donc c'est celle-ci. Le pack avec Mario All-Star et Mario World, etc. Donc un petit pack franchement sympa que j'avais pu avoir au magasin Ludidoc à Lons-le-Saunier pour ceux qui voudraient savoir. Donc on va lui ouvrir tout ça, on va regarder ce qu'il y a dedans, etc. Et ensuite on ira voir si elle marche et faire quelques petites parties sur le Mario World, n'est-ce pas? Donc déjà commençons par ouvrir ce carton et voir ce qu'il y a dedans. Ça me paraît plutôt logique, non? Alors attends, faut que je trouve comment ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a un truc là? Il y a un truc ici et il y a un truc ici. Là, ça, je vous avoue que le carton est un petit peu abîmé, il faudrait pas que je l'abîme au reste. Donc je vais peut-être ouvrir de l'autre côté parce que celui-ci me semble en bien pire état que l'autre pour le coup. Alors du coup, bah oui, ça m'a l'air beaucoup plus en meilleur état de ce côté-là. Donc on va y ouvrir par là, parfait. Si on peut, ouais, on peut y ouvrir des deux côtés. Par contre, messieurs, dames, va falloir vous enlever vous. Hein. Voilà. Et voilà, toi aussi, mon petit Sonic par terre, merci beaucoup. Il faut que je la mette dans le bon sens, sinon ça va pas le faire. Donc ouvrons tout ce carton et voyons voir à l'intérieur ce qu'il y a. Il faut pas non plus que j'arrache tout le bordel. Attention, ça. Normalement, tout est en très très bon état. Et également, enfin tout oui, plus ou moins de façon originale. Voilà, il n'y a plus rien dans le carton. On va pas le jeter ce coup-ci, on va le poser directement là contre la porte. Voilà, non ne tombe pas Jean-Philippe. Voilà, reste couché, enfin reste debout, assis comme tu veux. Bon alors, qu'est-ce qu'on a déjà dedans? Eh ben on a quelques jeux. On a notamment, bah, comme je disais tout à l'heure, Super Mario All-Star. Et également, je pense qu'on va essayer celui-ci, hein. Le Super Mario World, voilà, qui se trouve juste là. Donc deux jeux Super Nintendo, c'est plutôt cool. Et je crois que j'en ai un autre là-bas. C'était celui-ci, c'est Link to the Past, Zelda Link to the Past, The Legend of Zelda Link into the Past. Non, Link to the Past. Ouais, je vais y arriver, pardon. Voilà, donc trois jeux Nintendo. Bon, bah, enfin, il y en a deux qui sont dans le pack. On a bien évidemment une petite manette qui se trouve là, hein, en espérant qu'elle marche. Petite manette de type classique, absolument classique. Bah, la console, alors attendez, on va l'enlever tranquillement. Ah oui, d'accord, ok, il y a même, regardez, il y a tout ça, il y a toutes les notices. Tous les notices là, donc c'est nickel, ça c'est parfaitement parfait. Donc je vais laisser dans le carton, on s'en bat un petit peu les couilles, hein, on va pas se mentir. Donc là on a la console, regardez la belle petite console, la belle petite Super Nintendo en état plutôt cool. Voilà, il a le focus, voilà, merci, regardez ça, un état plutôt vraiment très très propre, hein. Il est très 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 propre. Je sais pas si les magasins la nettoient, les deux connectiques qui se trouvent là. Je la monte dans tous les sens, wouhou, c'est génial, on s'amuse. La principale donc c'est la console, en espérant qu'elle marche évidemment. Oui, on a le câble. Qui se trouve là, donc dans un grand sac plastique. Donc c'est un câble Péritel, donc il va falloir une télé compatible avec la Péritel. Et là nous avons, je suppose, voilà, là-dedans nous avons le bloc d'alimentation. Ça paraît plutôt extrêmement logique, j'ai envie de vous dire. Alors attendez, est-ce que je peux y ouvrir? On va y ouvrir, on va y sortir du papier tranquillement. Voilà, allez, sors du papier s'il te plaît, merci, voilà. Non, ça va, ça sent pas trop le vieux, c'est bon, ça va. Ça va, ça va. Et ensuite, bah, évidemment, le câble Péritel qu'on va sortir également de son sac plastique parce que c'est pas intéressant. Sans ça, nous pouvons jouer, n'est-ce pas? Donc, alors, attendez, je vais aller chercher la télé, je vais la mettre ici, comme ça vous allez pouvoir tout voir tout ça. Ça y est, j'ai enfin tout branché, regardez, ça marche. On a Mario qui est juste là, qui fait le con. Et moi avec ma manette, je vais essayer maintenant. Donc techniquement, vous allez pas me voir, mais c'est peut-être pas plus mal. On va essayer tranquillement de faire un ou deux niveaux, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je vais quand même m'asseoir, enfin le premier niveau. On va essayer de terminer sans avoir honte, genre sans mourir. Allez, c'est parti. Alors faut que je me... Alors les boutons, là c'est sauter, là c'est faire ça. D'accord, ok, il y a que deux boutons. Attends, faut pas que je me trompe de boutons. Hop là, le champignon. Ah yeah. Ok, c'est bon. Oh la fleur. Oh nice. J'ai jamais joué à cette console. Je sais même pas si j'ai joué à ce jeu un jour. J'ai déjà joué à Mario World. Oh putain. Mais c'était sur Game Boy Advance à l'époque. Il était excellent avec Yoshi et tout. Alors dans celui-ci, je sais pas du tout s'il y a Yoshi, j'en sais rien. Le rétro gaming, moi je ne connais absolument pas. Hey, saute. Hey, saute Mario. Oui, allez-y. Oh, allez Mario. Voilà, bravo, bravo. Oh putain. Oups. Je suis dans la merde ou pas là? Oh. Bravo.
Ouais, bravo. Excellent. Ok, on recommence, let's go. Le champignon qui fait plaisir, évidemment. Là, je sais pas quoi ça sert les pièces, on va aller. Oh, wow, wow. Par contre, je connais la musique. Oh oui. Vite. Il faut que je me dépêche. Pendant que j'ai ça là, comme ça je passe les boules. Et après, je suis safe. Vite. Vite. Voilà. C'est bon. Ouh. Trop fort. Ah, j'aime bien. Ah, je suis bien. Ah, là c'était plutôt pas mal. Et c'est tout de suite plus simple là quand on a les trucs. C'est quoi ça hein? You. Ah, c'est écrit en anglais. Oh, bah fuck. Vas-y. Ya. Yeah. Voilà. Ah, c'est la même musique que sur Game Boy Advance. Ça se trouve, c'est le même jeu et je le savais pas. Vas-y, on va faire un petit autre niveau là. Il faut monter ou. Ah, mais je garde mes champignons et tout quoi. Cool. Vas-y, ça va se mettre en route. Voilà. Ça, c'était sûr à 100%. Le petit champignon qui fait plaisir. Et youfou. Voilà. Oh, Yoshi. Arrivez là, mon Yoshi. Ouh. Avale-le. Voilà. Et là, ça fait des flammes. Oh. Ça me rappelle les souvenirs, ça. Sur Game Boy Advance. Attends, j'arrive pas à le choper lui, c'est normal ou bien. Bah voilà. Oh nice. Le petit checkpoint. Non. Voilà. Toi ta gueule là, tu parles en anglais, je comprends rien. Hop là. Hop. Oh nice. Une petite fleur, moi je dis pas non. Vas-y, amène-moi ça là. Ah. Hop. Hop. Hey, go. C'est excellent ça. Ça fait plaisir les bons jeux de plateforme comme ça à l'ancienne là. Oh. Oula. Je sais pas ce que ça fait si. Ah d'accord, une pièce sushi, hop. Voilà, hop là, c'est la fin? Non. Oh, magnifique. Ah, je suis fan de moi, là. Attends. Ah, 19, je sais pas ce que ça change, je sais pas ce que ça fait. Course clear. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder sur cette console? Je ne sais même pas, j'en sais même rien. Fais ce niveau, là, on va laisser ce niveau. Encore un petit peu, là, on est là pour tester. On est là. Ah oui. Ah, mais je crois que c'est le même que sur Game Boy Advance. Attends. Attends, mais c'est une blague? Ah. D'accord, il mange tout seul. Oh là là, parfait. Voilà. Je kiffe Yoshi, moi. Hop là. Sans Yoshi, ma vie n'existe plus. Non, je suis trop con, j'aurais pas dû prendre. C'est pas grave. Hop. Oh, deuxième Yoshi. Oh, one up. Bah, pourquoi pas. Non, mais je vais pas essayer. Mais non, wow. Oui, il me fait peur, lui. Hop là. Ah, nice. Checkpoint. Oh, merde, mon Yoshi. Ah. Au secours. Non, il est parti. Il est parti. Oh putain, il y a un truc secret là ou quoi? Hop! Poudoupoutoum! Poudoupout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 o
7. Bah oui, il était pas en haut. Bah c'est pas grave. Bah c'était cool ça. Et bien voilà la vie, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était la première fois où j'étais sur Super Nintendo. Petite découverte que j'avais envie de faire. Voilà, j'ai envie de découvrir si cette console marchait et ce que ça donnait également à l'époque avec ses petites manettes en main, etc. Et franchement, le Super Mario World est très très cool. On se retrouve à Trif pour de prochaines vidéos. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et pourquoi pas partager la vidéo. Ça me fera grandement plaisir. On se retrouve, on se retrouve à très très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, salut à tous, ciao, bye bye!